sont marrons les autres. Vous tout comme moi, et moi tout comme vous. Et c'est pas du théâtre. C'est la vie, c'est partout. Ils sont marrons les autres. En entrant chez les autres. Il y a ceux qui tombent bien. Et il y a ceux qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit, vous tombez bien. Et on lui offre à boire et une chaise où s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne le dit. Ils sont marrons les êtres. Quand ils tombent chez les uns, quand ils tombent chez les autres. Celui qui tombe mal, une fois la porte tombée, retombe dans l'escalier et l'autre passe dessus à grandes enjambées. Quand il regagne la rue après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui, il tombe aussi dans lui. Ils sont marrants, les êtres. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit. Se lève comme une chose. Hé! Il faut que je vous raconte quelque chose. C'est passé dans l'arrière-pays pour Provençal. Vous connaissez ces villages écrasés par le soleil qui s'agrippent aux collines avec les rues qui serpentent et qui finissent immanquablement avec leurs clocheries. Ben, moi j'étais là, je cherchais l'ombre. Je remontais la rue comme ça. Puis je l'ai vu. Il était là sous son petit muret. Il avait à peine la tête qui dépassait. C'était un bébé, moi je vous dis. Moi j'ai un cœur d'artichaut là. C'est comme s'il me tendait les mains, je me suis avancé vers lui, puis j'ai entendu une voix qui disait hey! Alors? Vous le trouvez beau, moi? C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Vers elle, pour la féliciter. Puis c'est là qu'elle est arrivée, puis qu'elle m'a dit. Emmenez-la avec vous. Il y a plein de place pour lui ici. Adoptez-le. J'avais protesté. Ma papa a laissé le temps à me la coller dans les bras. Et puis elle est partie. J'ai attendu qu'elle revienne, mais comme elle n'est pas revenue, mais on s'en est retourné à la maison. Vous savez ce que c'est, un nouveau venu dans une famille. Ben, les premiers jours, on a toujours les yeux dessus. On a peur qu'il leur manque quelque chose. Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Ben, ce qui est bien, c'est que la vie reprend son cours, alors chacun a trouvé sa place. Il a bien grandi, mais il y a un moment, j'ai trouvé qu'il n'avait pas peur de vie. J'ai trouvé qu'il avait des mauvaises couleurs. Ça m'a travaillé, hein. J'ai bien réfléchi, puis je me suis dit, tiens, et si j'ai trouvé une petite place dans la cabane du jardin, comme ça, je l'aurais sous les yeux, il serait pas trop loin. Mais vous savez, c'est vexant. Passé quelques jours, ben, il allait tout de suite mieux. Il s'est redressé. Il a pris des couleurs. Thank you.
Il a bien grandi. Il a bien fleuri. Mon citronnier. Attendez, j'ai pas eu le temps de finir. En fait, il faut que je me présente. Je suis un greffeur. Non mais, c'est une lubie, c'est une passion, ça me prend à chaque début de printemps. C'est comme si j'avais la sève qui montait à l'intérieur. Il faut que je greffe tout ce qui me passe par la main. Je leur coupe la tête, je leur fends le cœur et puis je leur colle le greffon. Ah, attention, j'ai pas dit que ça marchait tous les coups. Parce que ça marche pas, c'est long. Mais on attend. Sépare le mur du lierre et le bon grain de l'ivraie qui sépare demain d'hier et le fond du vrai qui sépare les gens qui s'aiment d'un seul cœur écartelé qui sur cette plaie qui saigne pose les scellés qui sépare l'avoir de l'être la sauvagerie de l'amour et de sa lettre si pauvre d'esprit. Sépare l'île de l'eau, qui sépare ce qu'on espère de ce que l'on vaut, qui sépare en toi la pomme et l'enfant de ses parents, qui sépare ce que l'on donne de ce que l'on rend, qui sépare l'arbre du bois, le radeau de l'océan, l'océan du ciel qui noie son soleil dedans, qui sépare la loi de l'homme quand il mange ses enfants. Qui sépare ce qu'il ordonne de ce qu'il défend. Qui sépare l'homme de la bête, la guerre de l'assassinat, les faux dieux des vrais prophètes, ici-bas, ici-bas. Qui sépare les eaux du Styx, les morts du vivant, qui sépare l'atome du vide, l'être du néant. Bah, moi, je vous disais, on aime bien attendre. Parce qu'il faut le temps que la sève fasse son chemin. À propos de chemin, ça fait penser à Tatane. Tatane, c'est un gars de chez nous. Il habite la colline de Sainte-Marie. Tu connais la colline de Sainte-Marie, toi ? Vous connaissez la colline de Sainte-Marie? Ah, quand même! Enfin, tout le monde connaît la colline de Sainte-Marie. En haut de la colline de Sainte-Marie, c'est au-dessus de Saint-Étienne-la-Varenne. Vous savez Saint-Étienne-la-Varenne? Quand même! Ben, en haut de la colline, il y a cette ferme fortifiée, là, avec ses quatre tours. Et ben, au milieu, quand on pousse le portail, il y a un figuier. Et Tatane, il habitait là, avec sa grand-mère. C'était un ado. Oui, je dis avec sa grand-mère parce que c'est tout ce qui lui restait. Et il était heureux. Ah, cette grand-mère, c'était un trésor. Le problème avec les grand-mères, c'est que le temps passe et puis... elles finissent par vivre. Et un jour, elle meurt. Le premier jour d'après, quand Tatane s'est réveillé et était tout chamboulé, il était en haut de ses marches.
Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais parler? Où je vais aller? Et puis au moment de ses marches, il l'a vu. Il l'a vu, le figuier, avec le soleil qui jouait dedans. Il a trouvé beau. Et ça lui a donné une idée. Et s'est dit, et si je montais dans ce figuier, que je cueillais les plus belles filles, que je les croquais, que je les goûtais en pensant à ma grand-mère. Et c'est ce qu'il a fait. Il a grimpé, il a cueilli, il a pensé. Le moment venu, il est descendu au pied de son arbre pour faire la sieste, et puis s'endormir. Une fois endormi, dans son rêve, il y a un vieillard qui s'est glissé. Un vieillard avec des cheveux blancs, très longs, et puis une barbe blanche qui lui mangeait le visage. C'était un vieux avec des yeux d'aveugle, et puis une cape. Il avait un turban et puis une djellaba noire avec une ceinture rouge. Il était là et il disait, mais tata, tata, lève-toi, bouge-toi, tu es jeune, tu es beau, tu es fort. Allez, tata, lève-toi, va à Bordeaux. À Bordeaux, tu verras le pont. Sous le pont, tu verras un figuier. Sous le figuier, tu verras un mendiant. Là, sous le mendiant, il y a un trésor qui te tend les bras. Tata, lève-toi, va à Bordeaux. Allez. Elle était tout contente, Tatane. Il avait fait un joli rêve. C'était comme une sorte de parfum léger qui flottait dans l'air. Tout ce qu'il faisait, bah, il le respirait. Il a passé sa journée comme ça, et puis le lendemain, quand il s'est levé, bah, il l'a vu. Il l'a vu qu'il jouait encore avec le soleil. Alors il a grimpé. Il a cueilli. Il a choisi, il a goûté, il a pensé, puis le moment venu, au pied de son arbre, il s'est allongé pour faire la sieste. Il s'est endormi. Et là, le vieillard est revenu. Il est revenu avec sa cape, son tatan, tatan, je t'ai déjà dit, va à Cordoue, tatan. À tatan, tu verras, il y a un pont, ce pont, il y a un figuier, ce figuier, il y a un mendiant, et ce mendiant, il y a un trésor. Ne reste pas là, allez, debout, tu es jeune, allez, bouge-toi. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il fait, ce vieux? Qu'est-ce qui vient m'encombrer la tête? C'était plus un parfum, c'était comme une brume. En fait, il lui embrumait la tête. Il s'était un rêve qui s'accrochait. Il a eu beau tourner autour de son figuier, il a fallu qu'il tourne pour qu'il puisse enfin se décoller. Oh. Il a fini la journée plus léger quand même, plus tranquille, puis il s'est endormi, puis au petit jour, elle a vu qu'il était là, qu'il attendait. Alors il a grimpé, il a cueilli, et puis au pied de son arbre, il s'est endormi. Et là, là il est revenu. Il est revenu avec sa canne, mais cette fois, ses yeux étaient comme des éclairs. Il disait, tatane, tatane, je t'ai déjà dit, va à Cordoue. À Cordoue, tu verras un pont. Sous le pont, il y a un figuier. Sous le figuier, il y a un mendiant. Sous le mendiant, il y a un trésor. Mais enfin, tatane, va, il te tend les bras. Qu'est-ce que tu fais là? Bouge-toi, là, là. Mais qu'est-ce qu'il me fait, ce vieux? Mais pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il m'embrume? Pourquoi est-ce qu'il... C'était plus une brume, c'était un brouillard. Un brouillard épais. Il avait beau tourner autour de son figuier, bah, il restait accroché. Alors il a fallu qu'il descende au Périon.
Ben, au Pérégon, ça tombait bien. Il y avait un marché, et puis sur le marché, il y avait des marchands de tapis. Ce qui est bien dans les marchands de tapis, c'est qu'il y a des images. Ces images sont comme des paysages. Et alors, de tapis en tapis, on va de paysage en paysage. Et puis, on finit par partir en voyage. Mais à la fin de la journée, Tatane, il n'était plus pareil. Et si Dieu le disait vrai? Et si à Cordoue, il y avait un trésor qui m'attendait? Je suis jeune, je suis beau. Il faut que j'y aille. Il a pris son bâton, il a pris sa besace, et puis il est parti. C'est bien beau de partir, c'est bien beau de descendre la colline, mais après il faut marcher, des jours, des semaines, des mois, et puis on se fatigue, et puis on descend, on arrive jusqu'au pied des Pyrénées. Ah les Pyrénées, il faut les grimper ces Pyrénées, et puis quand on est en haut des Pyrénées, il faut les redescendre ces Pyrénées. Et on n'est pas encore arrivé à Cordoue. Et quand on arrive sur les hauteurs de Cordoue, et bien là, Tatane, en regardant, il n'a pas vu un pont, pas 10, il a vu une centaine de ponts. Alors il s'est précipité de pont en pont. Et puis un jour, miracle, au milieu du pont, il a vu un figuier. Alors il s'est précipité et il dit, ah, ça y est, il est là, il me tend les bras. je cause, mais... J'ai pas que ça à faire, moi j'ai mes arbres. Voilà. Depuis longtemps, je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je plante tous les matins. Grandir comme il le croit. Un cheminot sur ses rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Il y a déjà du mieux. On verra si ça ne vaut pas le coup d'œil là-bas. Juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Les pas cadencés, c'est pas compliqué. C'est pas comme ça qu'on va danser. Depuis longtemps, je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. Certains semblent être poussés par de grands vents d'idéaux. Car ces pauvres matelots n'ont pas de vent dans l'eau. Ce monsieur fait ce qu'il peut, madame est sûre de son droit. Un enfant qui fait de son mieux dès qu'il pose ses premiers pas. Un fakir, un prothésiste qui se trompe et qui insiste. Un éléphant blanc de blanc qui, comme il peut, se défend. Pour ses défenses aériennes, les deux qu'il considère saines, faudrait lui laisser. On verra si ça ne vaut pas le coup d'œil là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas. Les pas cadencés, c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le sentier le plus beau qui en a tenté plus d'un. Ce fameux sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, à quatre pattes dans les poussins, on fera des trouvailles. On verra, on verra, on verra.
bien vous parler de la greffe, enfant. Bah, j'adore dire ça. La greffe, enfant. La greffe. Enfant. Je vous explique. C'est pas compliqué, hein. Vous prenez un rameau de 2 ans. Vous lui coupez la tête. Avec un couteau, clac. Fermement, sans hésiter, vous fendez le cœur. Après, vous prenez un greffon, 2-3 yeux, pas plus. Et puis, vous taillez bien en biseau. Et alors, à ce moment-là, vous glissez le greffon dans la fente. C'est là que c'est un peu compliqué, parce qu'il faut que la peau du greffon et la peau du porte-greffe coïncident parfaitement. Après, eh bien, vous bandez, vous attachez, vous serrez, et puis vous attendez. Ah, j'ai peut-être été un peu trop vite. Ah, si vous voulez, je vous la refais en raccourci. Hein. Le porte-greffe, on coupe. Le couteau, on fend le cœur. Le greffon, taillé en biseau. Et vous glissez le greffon dans la fente. Vous attachez. Vous serrez bien. Et puis après, il faut de la patience. Ça marche ou ça ne marche pas. Avec les arbres, on ne sait jamais. Vous savez. C'est ça qui est bien. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Parce qu'il le voyait. Il voyait que lui à l'horizon. Cet arbre était tellement immense, avec ses 2 grands bras qui lançaient vers le ciel, là qu'on ne voyait que lui. Les vieux disaient que il datait du début du monde. Cet arbre était prodigieux, tellement merveilleux qu'on le prenait pour un dieu. Pensez donc, les femmes qui n'avaient pas d'enfants venaient au pied de l'arbre, le regardaient et le suppliaient de porter dans leur ventre des fruits aussi beaux que lui dans ses bras. Les hommes, quand ils voulaient parler des affaires du monde, des affaires graves, se réunissaient autour de l'arbre. Et puis, au milieu de leurs échanges, tout d'un coup s'arrêtaient, suspendus, écoutaient le bruissement du vent dans les feuilles, comme s'ils attendaient une réponse. Et puis, ils reprenaient leurs échanges. Les loups, les nuits de pleine lune, venaient en meute autour de l'arbre, posaient leur derrière et hurlaient à la lune. Et puis s'en repartaient au petit jour. Cet arbre était beau, cet arbre était grand, cet arbre était merveilleux. Mais jamais personne n'avait goûté de ses fruits. Il portait un lourd secret. De ses 2 branches, l'une d'elles était empoisonnée. Alors, on le regardait, on l'admirait, on le suppliait, mais on n'y touchait pas. Alors, bien sûr, il y avait toujours un genou, un innocent, un gourmand qui tendait les mains, et qui, tout de suite, il y en avait un plus vieux qui disait « Ah, malheureux, 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 tu vas mourir empoisonné, c'est interdit. » Bah, ça datait du début du monde, ça aurait pu continuer longtemps. Mais voilà, il y a eu un été très sec, un automne trop froid, et puis en décembre et en janvier, il y a eu les tempêtes qui ont arraché les toits et qui ont endommagé les maigres récoltes engrangées.
Et puis quand on est arrivé en mars, eh bien il y a eu le gel de mars qui a ruiné tous les espoirs. Et alors, la famine s'est installée. Mais lui, il était toujours là, intact avec ses fruits, désirable. Et eux, ils avaient la faim. Alors il en tardait. Et c'est qu'il fallait me croquer. Et puis risquer de mourir empoisonné. Ou justement, ne pas y toucher, puis mourir très certainement. À ce jour-là, il y avait un père qui voyait son enfant gisant sur le sol. Alors quand il s'est levé, il s'est décidé. Il est arrivé vers l'arbre, il y avait la foule qui palabrait. Il a ouvert le groupe. Et puis il s'est avancé vers l'arbre. N'a pas décidé. Et puis, il a tendu une main, l'autre. Il a hésité. Et puis, il a choisi. Et puis, il a goûté. Et puis, il a croqué. Et puis, il est resté debout, le souffle bienheureux. Alors, aussitôt, tout le monde s'est précipité. Eux qui avaient si faim, ils se sont fait accueillir. C'était incroyable, parce que plus ils cueillaient, plus ça repoussait. Vous vous rendez compte? Eux qui avaient faim. Eh bien, c'était la fin de la faim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé, dansé, chanté, pendant des jours, des semaines, pendant un mois entier, ils ont fait la fête. Quand la vie est redevenue un peu plus calme, il y en a un parce qu'il faut toujours qu'il y en ait un. Là, le premier qui a regardé. Il a regardé la branche. Il savait maintenant. Alors, les autres ont regardé. Il a pris une hache. Alors, les autres ont pris une hache. Et puis, il s'est approché. Les autres se sont approchés. Et puis, il a donné un coup. Alors, les autres ont donné un coup. Et puis, tout le monde a frappé avec rage, avec colère. Et alors, la branche est tombée par terre. La mort était à terre. Ah, la mort! C'était la fin de la mort. Vous pensez donc? Tout le monde s'est mis à danser, à chanter. Ils ont cueilli, mangé, dansé, chanté. Mais toute la nuit. Alors, les plus fatigués sont partis se coucher. Et puis quand au petit jour, les derniers ont fini par aller à leur tour, eh bien, ils ont croisé ceux qui se clament. Les premiers ont vu les feuilles de l'arbre avaient séché. Le tronc avait noirci. Les fruits étaient tombés à terre pourris. L'arbre était mort. Thank you.
D'habitude, quand un arbre est mort, il est mort. Mais avec lui, c'était la vie qui avait repoussé tout autour. Il était là, avec une petite maison basse à côté, avec son toit de chaume. Vous savez, ces maisons maraîchines vendéennes très basses. Devant le mur blanc, il y avait un petit banc de pierre, et sur ce banc de pierre, il y avait un vieillard, avec un chapeau de paille, appuyé contre le mur qui buvait le soleil. Et tout d'un coup, il a entendu comme un grondement. Il a ouvert les yeux. Ce grondement semblait se rapprocher. Puis des cris, des insultes, des bruits de cailloux, de quelqu'un qui tape dans les cailloux, quelqu'un en colère. Et puis il l'a vu. Il l'a vu déboucher au virage. Il a vu ses cheveux dressés. Son front était serré. Ses yeux, sa bouche était crispée. Quand il l'a vu, il avait la épaules en avant, il avait les poings serrés. Il était comme une boule de colère. Et puis il est arrivé devant lui, il a dit hey, « Hé toi le vieux, j'ai faim, donne-moi à manger !» Le vieux restait calme, il lui a indiqué une place. Alors il s'est assis, il lui a dit « Alors, presse-toi, je t'ai dit que j'avais faim. » Calmement, il a plongé sa main dans sa besace et puis il lui a donné du pain et du fromage. Et l'autre s'en dit pareil. Il était toujours dans sa colère. Et de temps en temps, il fallait qu'il crie, il fallait qu'il lance des choses. Et à un moment, il a fallu quand même qu'il respire. C'est là que le vieux lui a dit, hé, jeune, j'ai un service à te demander. Non, c'est bien la première fois qu'on lui demandait un service. Ah, qu'est-ce que tu veux, vieux? Ah, tu vois l'arbre là? Je voudrais que tu lui redonnes la vie. Ah, l'autre a fait un bond. Il s'est mis devant lui. Il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu prends là? Tu te moques de moi peut-être? Je suis quand même pas un magicien non plus. Et puis il a pris sa besace et puis il est parti. Hé, le jeune, pas si vite. Tu sais pas encore. Était un magicien. Ah, l'autre est parti dans sa colère. Il a quitté le village et il a continué son chemin, toujours avec cette boule de colère. Et à un moment, il n'y avait plus rien. Il y avait à l'horizon comme un point. En se rapprochant, c'était une petite maison de tôle. C'était bizarre parce qu'il y avait une cheminée cassée et puis de la fumée qui s'en échappait. En s'approchant, il a entendu comme une voix de femme. Ça l'a intrigué. Quand il s'est approché plus près, en se penchant, il a vu qu'il y avait la porte qui prend le balai comme ça, poussée par le vent. Dans l'embrouillement de la porte, il a vu une femme, avec un enfant qui criait. Cet enfant était pendu à son sein. Mais le sein était plat. Et la femme chantait en tournant une cuillère au-dessus d'une marmite, comme si elle n'avait que son chant à lui donner. Le jeune, en voyant qu'il pouvait y avoir encore plus misérable que lui, a plongé sa main dans sa besace et il a tout jeté dans la marmite. Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces trois? Ces trois-là, mais le comte ne dit pas. Ce qu'on sait, c'est qu'à quelques lieues de là, le vieux sur son banc s'est mis à sourire. Parce que l'arbre qui était mort avait refleuri. The box.
tellement de mal à leur jeu. Ça s'appelle la greffe par rapprochement. Eh oui. D'ailleurs, par rapprochement, ça me fait penser à mes voisins. Pierrot et Lucienne. Ah là là, voilà des passionnés de jardin. Alors, cette année-là, ils avaient tout bien fait. Ils avaient bien respecté les lunes. Ils avaient bien semé, piqué, repoté, repiqué. Tout était bien fait. Ils étaient dans les temps, tout était parfait. Il y avait juste un petit carré qu'ils n'avaient pas semé. Il n'y avait rien. Ah, attendez. Il faut que je vous parle de Pierrot d'abord. Allez, Pierrot. Viens voir. Si, allez, viens. Bah oui, allez. Alors, Pierrot. Pierrot, lui, c'est le gars du gros œuf. Il avait tout ce qu'il faut pour la force. Et puis, quand sa Lucienne lui disait, eh bien, il traçait les allées, il faisait les bordures, il binait, il pêchait, il grelinait, il préparait la terre, enfin, bref, il faisait ce que sa Lucienne lui disait. Et Pierrot, en dehors du jardin, ce qu'il aimait bien, c'est le mardi d'aller jouer au boule avec ses copains au père. Allez, la Lucienne, viens par là. Faut que je vous présente la Lucienne. Alors, la Lucienne, c'est la tête pensante. C'est elle qui pense. C'est elle qui imagine les mariages, les alliages, les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes racines. Et puis, elle plante comme la lune lui est.
C'est elle qui commande. La Lucienne, ce qu'elle aime bien, c'est le mercredi. Le mercredi, elle va au marché du Péréon. C'est là qu'elle va ses copines. C'est son truc à elle. Pierrot et Lucienne, ils s'adorent. Ils adorent se faire des surprises. Ce jour-là, Pierrot, quand sa Lucienne était partie au marché, il s'était dit, dis donc, si je lui semais des salades. La Lucienne, elle adore les salades. Et c'est ce qu'il a fait. Il a semé. Elle m'a dit, quand Pierrot était parti jouer au boule, la Lucienne, elle a eu la bonne idée. Et si je faisais une surprise à mon Pierrot, hein? Il adore les carottes, mon Pierrot. Je vais lui semer des carottes. Ah, ça, alors c'est bien. Et puis, elle a semé les carottes. Et les jours ont passé, et Pierrot, il a vu les choses qui poussaient. J'ai dit, voilà, putain, c'est bizarre, ça. Il n'y a pas des salades là-dedans. Il faut que je te serve. Et ils sont des appels. Et puis, t'as des appels. Tout ce qui n'était pas des salades. Voilà. Et puis, le jour de boule, la Lucienne, elle a regardé, dit. Mais ça quand même pas des carottes, tout ça. Il faut que je desserve. Allez, laissez atteler. Elle a desservé, tout ce qui n'était pas des carottes. Et puis, hop là. Et les jours qui passaient, Pierrot, regardez, c'est bizarre. Il y a des choses qui poussent, c'est pour ça qu'il se met. Alors, il continue à desserber. Et hop, et la Lucienne, c'est pareil. Regardez, il disait, mais je comprends pas, mais ça va, il y a moins de petites choses qui poussent. Alors ce jour-là, il y avait la Lucienne devant le carré. Elle se grattait la tête. Et puis Pierrot, il avait mis son sac de boule. Il est revenu par derrière, puis il a vu sa Lucienne. Il a dit, ah, ma Lucienne, je te vois devant ton carré, je crois que j'ai compris. C'est pas parce que ça fait 50 ans qu'on vit ensemble qu'il faut qu'on arrête de se parler, parce que tu vois, ma Lucienne, si on arrête de se parler, il n'y a rien qui va pousser. Oui, je sais ce que vous vous dites. C'est des vieilles histoires de couple, comme ça, à force de vivre ensemble. Ça remonte, on pourrait même dire que ça remonte à Adam et Ève. Bah, détrompez-vous. Parce que pour Adam et Ève, le Créateur, il avait bien fait des choses. Bien comme il faut, lui. Il avait fait les montagnes, les forêts, l'eau. Et puis, à un moment, il s'est dit, il faut que je fasse les humains. Alors, il s'est attaqué à Adam. Adam, il lui a fait une bonne tête, bien faite et bien carrée. Et puis, des épaules, bien larges. Un torse, bien gonflé. Et puis, des cuisses, bien ferme, et puis des pieds bien rentrés. Ah, il avait des pieds sur terre, alors. Et puis, dis donc, il l'a envoyé à l'orée du bois. Allez, alors. Ah, il a fallu qu'il fasse Ève, c'est une autre perte de temps. Viens là, mon Ève. Il a fait des formes pleines, des anges bien rondes. Il l'a fait nue. Il lui a inventé la pudeur. Fait un petit sourire. Et Ève, il l'a fait au bord d'une rivière. Il s'est pas arrêté là. Le Créateur a dessiné un chemin qui l'amenait jusqu'à Adam. Ben, sur le chemin, il a fait tomber une pluie de feuilles sèches. Le coquin. Pour corser tout, il les a fait aveugles. Et puis, il est remonté.
Il les a regardés découvrir la vie à tâtons, sentir avec leurs oreilles. Ce jour-là, Ève était au bord de la rivière. Elle a posé la main sur un serpent qui lui a craché au visage. Ah! Elle a voulu essuyer le venin sur ses yeux. Et en essuyant le venin, elle a ouvert les yeux. La rivière, les herbes, le chemin. Et au bout du chemin, une vague au loin. Elle a voulu se précipiter sur le chemin. Mais quand elle a vu les fossés, elle s'est arrêtée. Elle l'a là. Elle n'avait pas du tout envie que là-haut, celui-là, il s'occupe de ses affaires. Alors, elle s'est posée, elle a réfléchi. Elle a trouvé. Elle est allée au bord de la rivière. Elle a mouillé les feuilles sèches et sues après les eaux, patiemment, jusqu'à la fin du jour. Et quand la nuit est tombée, fière, Ève s'est précipitée en direction d'Adam. Adam l'attendait devant sa cabane. Il était là, les oreilles dressées comme s'il attendait. Alors elle a fait le tour et elle lui a caché les yeux. Et puis, elle a ouvert les yeux d'Adam. Waouh, comme c'est mignon quand une femme ouvre les yeux d'Adam. Alors, ils se sont regardés. Ils se sont touchés, se sont sentis respirer, enlacés, embrassés, puis ils se sont aimés. Ah, comme le temps passe vite quand on sait. C'est au petit jour, c'est Ève qui s'est réveillée la première. Et puis elle a dit, attends, j'ai pas du tout envie qu'il s'occupe de nos affaires d'amour. C'est toi demain, c'est toi qui viendras me voir. D'abord, elle a goûté la pomme, même que ça n'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, et bien non. Elle a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il n'a pas dit « Femme, je crève ». Rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible. Même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible. Adam, il est mal tombé. Alors, si vous saviez, Adam, quand le jour s'est levé, il était impatient, il ne pensait qu'à ça, il n'avait que ça en tête. Sans foi, il a voulu se précipiter sur le chemin, mais à chaque fois, il dit, oh là là, non, il faut que... Pour la première fois, il a vu le soleil se lever, mais alors, il trouvait qu'il traînait, qu'il en mettait un temps fou à finir ce soleil. Alors, quand il s'est caché, enfin, Adam s'est précipité sur le chemin, et à ce moment-là, il a entendu comme un grondement qui a dit, hey, Adam, je te vois, c'est donc toi le premier qui succombe aux fièvres de l'amour. Adam voulait protéger, écoute-moi jusqu'au. Puisqu'il en est ainsi, Adam, toi et tes descendants, tu seras condamné à faire le premier pas. Ah. Et dites donc, d'abord, c'est bien vrai que c'est les hommes qui font toujours le premier pas. Et puis même que je dirais que les femmes, eh bien ça leur... Après sa conduite en colère, l'on dit avec des hurlements, mon cul de pomme à l'inventaire, qui l'a volé, c'est toi, Adam. Sa fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. D'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. C'est vraiment la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève
m'a dit attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle sale affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Elle m'a dit alors j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire effronter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait dans ses soupières, faisait rien de la journée. Les enfants, ça sent bien. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Oui, c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand papa pour tâter de la chair tendre si même il va jusque là. Et puis pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles on est dégueulasses, paraît que ça nous est naturel. Mais les garçons comme ça passe, par chez nous ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ha! Bien gonflé, bien tendu, et vous glissez là et dans la forme. Et puis vous portez bien. Le petit truc du chef, le secret, c'est le doigt bien mouillé. Et puis vous mastiquez, mastiquez, mastiquez. Il faut que ça colle. Il rêve bien. C'était pas seulement un rêveur, hein. C'était aussi un marcheur. C'est dit, ces gars qui passent leur vie sur route et chemin, qu'il faut toujours qu'ils aillent plus loin. Ce jour-là, il avait le soleil qui lui tapait sur le caillou. Il aurait donné n'importe quoi pour s'en retrouver à l'endroit. Et au détour d'un chemin, bah, il l'a vu avec son ombre généreuse. Il s'est glissé sous son ombre. Tout de suite, il a senti la fraîcheur.
Alors il s'est assis, appuyé sur son tronc, et puis il a glissé la main dans sa besace. Le quignon peint avec les racines. Alors il a croqué dans son quignon peint, en se disant, et si pour une fois, au lieu d'un pain rassis, il y avait une bonne table bien dressée. Et puis il a fermé les yeux. Et puis il s'est remis. La table était là, avec une poule fumante, un bichet pain, et puis un morceau de pain. Il était un peu taquin. Il a eu envie de jouer, il a dit oh, une table bien dressée, c'est pas mal, mais quand même, ça serait encore mieux s'il y avait une maison tout autour. Et puis il a fermé les yeux, puis il les a ouverts. Oh, c'était un chalet en bois tout neuf. Il y avait un vaisselier, tout était bien rangé. Oui, c'est bien, une table bien dressée, une bonne maison, mais... Mais ce serait encore mieux si, de l'autre côté de la table, il y avait une dame qui se penchait vers vous et puis... qui vous souriait. Alors il a fermé les yeux. Il s'est ouvert. Oh, elle était là, penchée avec ses longs cheveux. Ses yeux langoureux et sa bouche ouverte, souriant. Alors là, pour la première fois, il a eu comme un doute. Il s'est frotté les yeux, il s'est pincé, il a ouvert. Ah, la femme s'était envolée. La maison avait disparu. La table s'était effacée. Il était au pied d'un arbre, avec un champ de cailloux tout autour. Un jardin, une maison bizarre.
ce marcheur, ce grand marcheur, ça me rappelle Tatane. Tu te rappelles de Tatane? Vous vous rappelez de Tatane? Oui. Ah, Tatane, il est arrivé sous un pont. Et sous le pont, il y avait un? Figuier. Et sous le figuier, il y avait un? Mendiant. Et sous le mendiant, il y avait un? Trésor. Alors, quand il l'a vu, s'est précipité. Et puis il a dit au vieux, allez, pousse-toi, pousse-toi, il y a un trésor qui me tend les bras. Là, tu dis, oh, dis-on, toi. T'es pas d'ici, je te connais pas. Hé, hey, tais-toi, j'ai fait un rêve merveilleux. Je te dis qu'il y a un trésor, là, dans la terre. Allez, pousse-toi, je t'en donnerai la moitié. Oh, hé, boulot, tu dis, dis donc, oh, pas d'ici, hein. Je te connais pas, et tu voudrais me faire gicule là. Mais enfin, je te dis, vieux, j'ai fait un rêve merveilleux. Et dans ce rêve, il y avait un pont. Il y a bien un pont, oui. Eh ben, sous le pont, il y a bien un figuier. T'es bien un mendiant. Alors pousse-toi, je t'en donnerai la moitié. Ah. Ça me rappelle quelque chose. Il y a très longtemps, j'ai fait un rêve aussi. Dans ce rêve, il y avait un vieillard aveugle qui disait, va à Sainte-Marie sur la colline, tu verras. Une maison carrée. Tu pousseras le lourd portail. Et puis au milieu de la cour, tu verras un figuier. Et bien, si tu creuses au pied du figuier, tu trouveras un trésor. Mais moi, je suis pas assez bête pour oublier de faire la sieste. Moi, je préfère rester au pied de l'arbre. Il était en train de lui dire qu'il avait fait tout ce chemin pour rien. Que d'où il venait, il y avait quelque chose qui l'attendait. Sous son figuier, il savait plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait qu'il... Bah, c'est ses jambes qui ont décidé pour lui. C'est comme si elles avaient décidé de la ramener. Il était parti. Alors, il a remonté les Pyrénées, puis les arbres sont venus, puis il a marché, puis au pied de la colline de Sainte-Marie. Il a vu la ferme fortifiée. C'est bizarre parce que c'est comme si rien n'avait bougé, rien n'avait changé. Il est arrivé, il a poussé le lourd portail. Le figuier était là. Il a creusé au pied du figuier. Il y avait bien un trésor. Mais le comte ne dit pas qu'il y avait un trésor. Personne n'est à moi que je sache, je m'appartiens à certains jours, sans que nul ni rien ne m'attache. Je voudrais te laisser couler sans jamais faire de barrage, sans t'empêcher de traverser tout le beau pays de ton âge. Comment puis-je te dire mon amour, oiseau qui vole est-il volage? Quelle est sa route et vers quel jour? Vers quel écoute-t-il, vers quel cage? J'ai l'espérance de libérance, d'aurore de peur, de fleur éteinte. J'espère tant ce temps relance, au travers de l'air diaphane. Comment puis-je te dire mon amour? Comment frôler ta transparence? Et te le dire comme en plein jour, à la lueur de l'instant. Comment savoir ce qui est bien pour toi, pour moi, pour tout le monde? Et comment faire pour que nos liens ne deviennent comment puis-je te dire mon amour?
cette passerelle entre toi et moi tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il grêle. Je voudrais juste être à l'écoute des paroles que tu ne dis pas, pour garder fort coûte que coûte tout en fleurs le désir de toi. Le plus dur pour un greffeur, c'est de quitter ce qu'il a fait. On s'y renie toutes ces choses, toutes ces histoires qu'on a partagées. Qu'on a partagées aussi avec vous. Vous ne savez pas ce que les histoires vont faire comme chemin dans votre vie. Je ne peux pas vous laisser comme ça. En fait, au début du monde, le ciel et la terre étaient tout collés. Ils étaient confondus, fondus. Il n'y avait pas de place pour leurs enfants. Le vent, l'océan, les arbres. Mais c'est l'arbre, le premier qui a protesté. Il a dit, dites donc, pourriez pas faire quelque chose quand même pour moi, pour vous. Ouh là là, ils ne voulaient pas se mêler de ces histoires. Choisir entre leur père et leur mère. Leur question. Alors lui, le premier, il a planté ses racines, il a dressé son tronc, et puis il a repoussé le ciel avec ses branches. Et depuis ce jour-là, c'est l'arbre qui relie la terre et le ciel. Ces histoires que je vous ai racontées et puis ces chansons qu'on vous a chantées. Donc si vous voulez nous faire connaître ailleurs, surtout ne vous privez pas, mais restez là, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Vous attendez? Par rapprochement, et que le jour de la première, je leur offre. Ah, c'est ça. Merci.